accrocher au moins un succès dans ce deuxième tour. Du côté du Tubize, eh bien, les Brabançons vont, eux, tenter de conserver la 17e place au général. On notera au niveau des compositions d'équipe du côté montois, le gardien est Grégory Delwart, puisque Enkela et Airpool sont blessés. Et puis du côté du Tubize, on notera les absences de Perbet et Fortune blessés, de Duffer pour raison familiale, ainsi que de Radler et Mvoiselo qui sont suspendus. Villanova est par contre de retour dans le 11 de base de cette équipe tubisienne. Vittorio Villano. Villano qui continue vers Daïc et l'intervention de G sur Aidoc. Villano. Villano qui insiste et pourquoi pas frapper. Villano qui rentre dans le jeu et dans le rectangle. Et finalement le tir est contré par Grégory Delwart. Première occasion dans cette rencontre et 4 minutes de jeu exactement. Karacha rapidement effectué ce coup franc vers Diafoutois, qui a joué en première division avec Mons. Le centre, Daïc et ce ballon qui file devant la cage de Grégory Delwart. Coup de coin. Karacha, Florival et la reprise de Diafoutois. Daïc qui tente de se retourner. Le point de Delwart qui finalement récupère avec un peu de réussite ce ballon. Collet avec Van de Lanwatt. Et Erdouin qui sort magnifiquement bien là dans les pieds de Collet. Bogard vers Diafoutois. La rapidité de Diafoutois. Face à Meusen, s'il a donné ce ballon en retrait, il y avait Sorokin tout seul. Et on peut comprendre la colère d'Albert Cartier. On revoit l'accélération de Diafoutois. Et puis là, il a l'occasion de donner le ballon en retrait. Il essaie. On ne voit pas Sorokin, mais il était vraiment pratiquement au point de pénalty. Ruiz. Le tir, il est cadré sur les points d'Ardouin. On revoit le crochet et l'essai qui a failli tromper Ardouin. Vittorio Villano, Villano face à Boysens. Villano est passé et Delwart qui sort. Villano, le centre, le but. Cette fois-ci, c'est au fond pour Sorokin. Villano un peu plus collectif que Diafoutois, mais Sorokin avait déjà eu l'occasion hein, tout à l'heure de marquer si Diafoutois avait donné le ballon en retrait. Ici, Villano est parvenu à passer Delwart et à donner ce ballon à Valérie Sorokin qui ouvre le score alors que l'on joue depuis 32 minutes. On revoit l'effort de Vittorio Villano. Et puis là, Sorokin qui marque assez facilement le premier but de cette rencontre. 0-1 en faveur de Tubize. Et c'est mérité parce que les Brabançons se sont créés jusqu'à présent les plus belles occasions du match. Collet, accélération. Et le centre vers Oris. Et peut-être l'égalisation, Kevin Oris qui croque complètement sa frappe. C'est à l'image de toute la saison de Mons hein, au niveau offensif. C'est vraiment très, voire beaucoup trop faible pour rester en division 1. Coup franc, Fadel Brahmi. Dans le paquet, le point d'Ardouin qui est passé complètement dans son intervention. Mais il y avait une poussée sur le gardien de Tubize. On revoit cela avec ce ballon tournant et ben, la poussée est effectué par Jarjou. Un ballon qui a fini sur le poteau, là. Moussagué qui marche sur la balle. Il va falloir donner ce ballon en retrait vers Florival, au-dessus du but. Alors, Brahmi ou Collet pour frapper ce coup franc. Et M. Flamand qui s'énerve de plus en plus car le mur de Tubize ne veut pas se mettre à distance. 9 minutes de rente dans ce match. Brahmi, et c'est au fond du but. Hein, ça a pris du temps avant de frapper ce coup franc, mais finalement, celui-ci est exploité par Fadel Brahmi pour l'égalisation. Mons, qui n'avait plus marqué à domicile depuis le 12 février, c'était face à Courtrai. On revoit cela. Ballon parfaitement placé, hein, juste au-dessus du mur, juste au-dessus de la tête de Daïc et Erdouin qui ne bouge pas du tout. L'accélération là de Cordaro et le tir juste au-dessus du but, enfin même juste à côté. Ici avec l'illusion d'optique, on avait l'impression que le ballon passait au-dessus du but, mais en fait il est passé juste devant la cage de Nicolas Erdouin.
Miglior. Miglior, il est passé là. Miglior toujours. Et son pied droit, ce n'est pas le meilleur. Cela dit, il met malgré tout en difficulté Ardouin. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer. On revoit la percée de Miglior. Un homme, deux hommes. Et puis il se met sur son pied droit, juste dans l'axe du but. Alessandro Cordaro qui disputait son tout dernier match à Mons, lui qui rejoindra le Sporting de Charleroi la saison prochaine. Quelques applaudissements alors qu'il est remplacé à quelques secondes de la fin par le jeune Anthony Cavallo. Monsieur Flamand qui met fin à cette rencontre, un verdict est donc tombé ce soir. Maintenant c'est une certitude, Mons terminera cette saison en tant que dernier, 18e. Et Tubize sera 17e. Quoi qu'il arrive, la sanction est la même pour les deux. Ce sera la division 2 la saison prochaine.